pour moi, le trail, ça reste un jeu, ça reste quelque chose de ludique. Il y a quand même cet objectif de résultat, de faire quelque chose quand même, mais c'est moins prise de tête forcément que vélo, que quand on arrive sur un Tour de France. Et ça permet, mine de rien, aussi de travailler pour tout simplement notre métier qui est la route, parce que déjà, c'est un sport à choc. Du coup, les sports à choc sont conseillés pour toutes les blessures osseuses. Et derrière, ça permet, moi, quand je vais faire du trail, bah, je me dis, je pars 2h30, 3h. Et souvent, je vais dans le sud et je me dis, allez, je pars 2h30, 3h dans la montagne. Et en fait, redécouvre un peu la nature aussi, mine de rien, parce que forcément, l'école, la nature, on les voit. Mais là, en fait, quand on est en vélo, on voit les endroits où on va en trail. Et en trail, on voit les endroits où on va en vélo. C'est-à-dire l'ultra trail du Mont Blanc, la diagonale des Fous. Moi, je veux, après ma CAF, faire des ultra trails, c'est sûr. C'est mon rêve d'en faire.